l'Afrique, je veux dire, on a pensé que ça allait être catastrophique, qu'ils étaient incapables de se confiner, que le service hospitalier ne serait pas à la hauteur, et on voit que ça se passe, que c'est très bien contenu. Quel est votre avis ? Mon avis, c'est qu'une fois de plus, l'afro-pessimisme a fait des dégâts, mais des dégâts monstrueux, parce qu'en effet, les dirigeants politiques ont mené cette crise, ont géré cette crise avec sagesse et efficacité. Les systèmes hospitaliers ont tenu, les gestes barrières ont été respectés et le civisme a fonctionné. Et là encore, les Européens, les Français, les Belges, je ne sais pas, ont vécu sur une image de l'Afrique, je ne sais pas où ils la prennent. Une image de l'Afrique qui vient de... Voilà. Qui doit venir des années 50, qui est insupportable. Les Africains, bien souvent, ont donné des leçons de tenue aux Américains, aux Européens. Et puis, sans céder à la panique non plus, sans céder à l'hygiénisme fou auquel cèdent parfois les Américains, par exemple.